Mon prince, la beauté ne suffit pas pour décrire votre apparence aujourd'hui. Vous êtes très beau. En d'autres termes, mon prince, vous êtes gracieusement beau et majestueux. Alors, vous allez m'accompagner au village de Amofo pour voir la belle princesse, la future reine de ce grand royaume. Comme cela vous plaît, mon prince. On va se promener un peu. Je vois là. Que nous vaut l'honneur de cette visite royale? L'amour. Tu sais, quand un enfant est en train de pleurer, pointant du doigt vers une direction particulière, si la mère n'est pas là-bas, regarde très bien, ce serait le père. Tu as raison. S'il te plaît, viens. Garde, comment ça va? S'il te plaît, mets-toi à l'aise pendant que je vais chercher mon père pour toi. Merci. Je reviens tout de suite. Oh mon Dieu! Bien, comme je l'avais dit, mon roi. Oui. Je suis venu pour regarder une fois encore le beau visage de ma princesse. Et aussi pour vous informer que je reviendrai le jour de marché de la quatrième semaine pour le mariage traditionnel. Et puis, prendre avec moi ma belle princesse. Vraiment? J'apprécie tellement ces mots. Mais aussi, sois encore le bienvenu dans mon palais, mon fils. En fait,
Ta présence fait réjouir mon cœur. Et surtout avec l'information que tu m'as Merci, mon roi. Merci beaucoup, mon roi. Tu sais, à chaque fois que je te regarde, je remarque quelques attributs de ton défunt père. Il était un très bon ami à moi. C'était un homme de parole, si je me rappelle très bien. Il disait souvent, ma parole est mon honneur. Je vois un grand roi en toi. Oh, et un grand roi je serai. Oh, de toute façon, nous avons entendu tout ce que tu as dit. On va vous attendre. Oui. Tu as dit 4 jours ouvrables, oui. N'est-ce pas? On attend. Oui. Toute chose va très bien se passer. Tu sais très bien que ta femme en devenir est très très belle. Oui. Ce jour sera un jour inoubliable. Toutes les têtes couronnées doivent être présentes. Oh, certainement. Ouais, ouais Obura, tu peux dire ça encore. Bien sûr. Alors, je lui demanderai de te trouver quelque chose à manger. Ta beauté comme une lumière étincelante. En vérité, en toi, j'ai trouvé une reine, ma princesse. Tes paroles ont vraiment une puissance. Tu as les mots qui me donnent une place très grande et exceptionnelle. Qu'est-ce que je peux encore demander? Je suis chanceuse de t'avoir. Merci. Bien. Comme la couronne justifie le roi, aussi ta présence justifie ma raison de vivre. Je pense que je suis l'homme le plus chanceux. Viens-je de dire que je pense? Non. Je suis sûr que je suis l'homme le plus chanceux de t'avoir. Et j'ai hâte de faire de toi ma reine. Je suis impatiente d'être couronnée comme la femme de mon roi. Je t'aime. Je sais. Et moi, je t'aime plus. Même quand les années passent, ce que je sens pour toi ne changera pas. Est-il parti? Oui, maman. J'apprécie le sourire sur tes lèvres. Ça me rappelle le sourire qui était sur le visage de ta mère. La première fois que je lui avais fait connaître mes intentions. Bien, j'ai prié au Dieu pour que ce sourire soit permanent, cette fois. Quoi? C'était juste un souhait de la part d'un père conscient. Un souhait très honnête. Tu ne devais pas lui dire ça. Hein? Mais ce n'est qu'un souhait. Oh, s'il te plaît. Qu'ai-je dit de mal? Oh.
Oh. Ma princesse, désolée, ton père n'avait pas l'intention de te rappeler ton passé. S'il te plaît, maîtrise-toi. Ne permets pas à ton passé de te nuire. Je t'en prie au nom des dieux. Pardon. S'il te plaît, ma fille, arrête. Ça suffit. C'est fini. Va dire à Azo de me voir avant le coucher du soleil. Oui, mon prince. Toi, va me trouver quelques colas. Oui, mon prince. Je vous salue, mon prince. Vous m'avez fait venir. Ouais. Assieds-toi. Merci, mon prince. Bien, Azu. J'irai au village de Amoko dans 4 jours de semaine à partir d'aujourd'hui pour prendre une belle princesse pour femme. Que les dieux soient loués. Une nouvelle splendide, mon prince. Ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et pour cela, j'aimerais que tu me couses le plus beau vêtement pour l'occasion. Donne-moi ta parole, Azu. C'est fait, mon prince. Merci, Azu. Je suis honoré. Oh, partage avec moi mes colas royales. Merci, mon prince. Merci. De rien. Je vais t'acheter des meilleurs perles auprès des meilleurs fabricants. Merci beaucoup, mon roi. Tu sais très bien que tu es le meilleur mari du monde. Et je dois aller te préparer un... Vas-y, devine d'abord. Très bien. Et voilà. Je vais faire ton plat préféré. Oh, le prince. Fils, je croyais que tu t'es reposé. Comment salut, tu es habillé comme ça? Où est-ce que tu vas? Salut père. Salut mère. Salut fils. Père, je souhaite faire une petite promenade dans le royaume avec mes gardes. Tu es l'héritier du trône et le royaume t'appartient, alors vas-y. Merci père. Ça, je mère, dis non. S'il te plaît, prends soin de mon père. Tu n'as pas à me rappeler ça, fils. Bien sûr, je sais. Ton fils grandit vraiment comme un vrai roi. Il a vraiment grandi.
Je suis très fière de lui. Aka. Oui, mon prince. Va dire à Manze Udika et Manze Omeka de me voir avant le coucher du soleil. Vas-y, parle, mon prince. La dot de ma sœur, la princesse, sera donc payée dans quelques jours. C'est ce qui se prépare. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu. À cet égard, je vais lui faire une surprise, une présentation spéciale. Que désire mon prince? Et en quoi puis-je l'aider? Je veux que tu organises une présentation de danse pour ma sœur, la princesse. Fais-le pour moi et je t'en serai très reconnaissant. L'une de mes responsabilités est de toujours mettre les sourires à ton visage. Je suis très contente pour la princesse. C'est tout ce que tu désires, mon prince? Ouais. C'est tout ce que je désire pour ma sœur. Considère que c'est fait. Je t'aime, Atogo. Mon amour pour toi est immesurable. Omeka, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ite Omeka. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'arrive. Je vous salue, Ite. Salut. Pourquoi cette visite? Rien du tout, Ite. Je vous apporte un message du prince. Vas-y, parle. Mes oreilles sont ouvertes. Le prince demande votre présence au palais avant la nuit. Je serai là. Je prends congé de vous. Que le Dieu vous guide, mon fils. Ici. Je viens de me rappeler, mon roi. Qu'est-ce qu'il y a? Que l'on commande le meilleur vin de notre royaume, juste pour couvrir la cérémonie du mariage de notre fille. Et je n'ai rien oublié. Je le ferai justement. Ok. Pourquoi tu ne vas pas vérifier la cause de ce geste?
Atta, bienvenue chez moi. Merci. Je pense que tout va bien. Le prince demande votre présence au palais avant la tombée de la nuit. Que les dieux m'empêchent de désobéir aux ordres du prince. Dis-lui que je serai là. Très bien alors, je prends congé de vous. Ok, rentre en sécurité mon fils. Ah bon? Omekanea, je serai là. Ma fille, ne me dis pas que tu es toujours troublée par le mot qui était sorti hier. Non, maman. Alors, c'est quoi? Je suis ta mère. Je sais lorsque tu as des problèmes. Lorsque je vois tes larmes, ça brise mon cœur. S'il te plaît, dis-moi c'est quoi le problème. Maman, j'ai très peur. Peur de quoi? Le même rêve qui me revient. Adaisez ma fille. Ce sont les dieux qui doivent prendre décision et non les humains. Laisse que tout ce que tu as rêvé cette nuit ne te fasse pas désespérer. Le rêve que tu as hier, c'est parce que tu étais endormi en colère. Les dieux ont déjà rendu parfait tout ce qui te concerne, ma fille. Essuie ces larmes, ma fille. Essuie les larmes. J'aimerais te poser une question. Vas-y, ma fille. Y a-t-il un problème avec moi? Que le Dieu épargne. Quel problème que tu peux avoir? Écoute, la joie est faite juste pour la victoire. Tu dois la vivre. Sois dans la joie et mets tous ces tourments dans la honte. Tu as entendu? S'il te plaît. Est-ce qu'elle t'a parlé? Oui. Toujours la même histoire, le rêve. Tu as l'air soucieux. Tu n'as pas une bonne mine. Mère, quel est le problème? C'est la princesse. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle ne s'est pas très bien réveillée à cause de ce même rêve. Bien, vous êtes les bienvenus, mes aînés. Merci, mon prince. Merci, mon prince. Nous avons en effet reçu votre message. Voilà pourquoi nous sommes là. On dit qu'un crapaud ne court pas en pleine journée pour rien. C'est soit il court derrière quelque chose, ou soit quelque chose... Bien sûr. Vous savez, mes aînés, comme les gens le disent, la beauté de la lune n'est jamais complète sans les étoiles autour d'elle. Oui, ça c'est vrai, mon prince. Tu vois maintenant pourquoi on t'appelle la photocopie de ton défunt père? À chaque fois que tu parles, on ne voit rien d'autre qu'un brave et sage roi. Partage avec nous tes désirs, mon prince. Bien. Dans 4 jours de marché, vous allez m'accompagner au village de Amoko avec le vin de mariage.
avec la future reine de ce grand royaume, Omudo, avant mon couronnement en tant que roi. Mon prince, j'ai beaucoup apprécié. Longue vie à toi. Voilà pourquoi Omudo ne cesse de parler de vous. Je suis très 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 content pour vous, mon prince. Oui, nous sommes heureux. En d'autres termes, mon prince, tu nous demandes d'aller nous faire préparer. Ouais, allez vous apprêter, allez vous préparer avec les plus beaux vêtements que vous pouvez vous permettre. Car ça va être un grand jour. Ça sera un grand jour, nous sommes déjà préparés. Et n'oubliez pas d'informer les autres aînés. Mais vous deux, vous devez aller avec moi. Oh, ça c'est sûr. Ça c'est certain, mon prince. Ouais. Mon prince, on fera comme tu viens de le dire. Merci, je vous apprécie. Adézé, mais pourquoi tu t'infliges ça? Chacun d'entre nous comprend ce que tu as traversé. Ce n'est pas ta faute, ni celle de personne. Nous ne pouvons pas questionner les dieux. Adézé, Adézé, je veux que tu sois forte. Je veux que tu sois forte pour toi-même, pour nous et pour le prince, ton futur mari. S'il te plaît. Ma sœur, s'il te plaît. D'accord? Iti Omenka, tu vois pourquoi je dis notre défunt roi n'a pas seulement donné naissance à un garçon. Tu as raison. Mais aussi à un garçon qui comprend comment mener les vrais pas de son père. Hein? Le prince Anna est l'héritier parfait pour le trône du royaume de Omudo. Iti Edika, les dieux ne mentent jamais. Bien sûr. La promesse qu'ils ont faite à Omudo de toujours nous donner un roi paisible et merveilleux. Exactement. Je veux dire, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris du tout. Dans ce cas, tu as raison. Parce que les dieux sont sages. Tu as raison. Mais je t'ai dit. Ah oui, je t'ai dit. Hein. Quoi d'autre si ce n'est d'être heureux? Non, franchement, les dieux sont sages. Ils sont sages. Ils sont sages, bien sûr. Je te salue aussi, ma reine a la valeur inestimable. Comment va ma fille aujourd'hui? Que les dieux soient loués aujourd'hui, mon roi. Elle va très mieux aujourd'hui. Très bien. Je viens de me rappeler, pour le vin de palme. Ok. Ago, votre majesté. Va dire au Kwekwe, dis-lui de réunir tous les faiseurs de vin de palme du royaume. Qu'ils apportent tous leur meilleur vin à la cérémonie de la prise de la main de ma fille. Ok? D'accord. Qu'ils leur disent que le meilleur sera récompensé. Oui, votre majesté. Vas-y maintenant. Thank you.
Salut, père. Salut, la plus belle princesse du royaume d'Amuko. Alors, où est-ce que tu pars? Je vais juste faire un tour dans le royaume. Je ne vais pas traîner. C'est bien. Rassure-toi d'être accompagnée même par une servante. J'irai avec les... Alors, sois prudente. Tu sais que tu es la princesse du royaume d'Amuko. Je sais. Ma jolie fille. Oui, papa. Très bien, alors. Okay. Ma fille a grandi. Viens. Mon roi. Va me chercher Ichiabakoba. Oui, votre majesté. Salut, Okwekwe. Salut, Agu. J'étais en train de venir chez toi. Je pense que tout va bien. Tout va bien. Je t'apporte un message du roi. C'est quoi le message? Le roi t'a instruit d'aller dans tous les coins du royaume et informer tous les faiseurs de vin de palme. Dans 3 jours du marché, princesse Adèze va se marier. Ils doivent apporter le meilleur de vin de palme au palais. Et ils seront très bien récompensés. Il n'y a pas de problème. Merci. Salut ma princesse. Salut ma princesse. Salut le belle-fille de notre royaume. Comment vous allez aujourd'hui? Nous allons bien, ma princesse. Elle est vraiment belle. Allons-y. Je pense que si les batteurs sont ici, les faiseurs de vin de palme vont se mettre quelque part ici. De telle sorte que les danseuses soient presque partout. Et voilà donc, et d'autres visiteurs seront de l'autre côté. C'est voilà. Une bonne chose. Votre Majesté, votre message est passé. Ah ok, c'est bon. Merci. Je suis sûr que tu es satisfaite maintenant. Tant que cela fait du bien à notre fille, pourquoi pas moi? Oh, mais... Tu sais que je voudrais toujours le meilleur pour elle. Mm-hmm. Très bien alors. Il n'y a pas d'eux comme princesse Adèze. Il n'y aura jamais personne qui pourra sourire comme elle. Honnêtement, elle va manquer à tout le monde. Particulièrement moi. Quand est-ce qu'elle se marie déjà? Dans 3 semaines. J'ai pris que le Dieu lui soit favorable cette fois-ci. Parce qu'elle en a vraiment beaucoup souffert. Je suis touchée dans ce sens. Ma sœur, un mariage raté, c'est la pire des choses qui peut arriver à n'importe qui. Et pas que ça. Avec le peu d'expérience qu'elle a, elle a toujours connu des complications concernant ces sujets. Elle a toujours encaissé des déceptions. Est-ce sûr que beaucoup de gens commencent à l'appeler Obanje? Qui ne le dit pas? J'ai pris pour que le Dieu lui soit favorable cette fois-ci. Et c'est... Mon ami, on y va. Thank you.
Azu, attends. Je crois que tu es étonnée de m'entendre t'appeler par ton nom. Oh, s'il te plaît, qui es-tu et d'où est-ce que tu viens? Le visage d'un clown reste un mystère caché à ceux qui le voient, jusqu'à ce qu'il soit découvert et démasqué. C'est très étrange, mais ne réponds aucunement à ma question. Qui es-tu? S'il te plaît, est-ce qu'on peut laisser faire ce qui doit être fait aujourd'hui pour demain? Est-ce que tu peux me passer le vêtement du prince? Quoi? Que les dieux l'interdisent! Le prince va se marier dans quelques jours ouvrables. Il a personnellement demandé que ce soit moi qui fais ce garment. Et te voilà, une étrangère venant de nulle part, en train de me demander de te donner le garment fait pour le prince. Même dans mes rêves, je ne ferai jamais ça. Excuse-moi. Beaucoup de fois, nos souhaits étaient des rêves. Oh, qu'est-ce que tu es merveilleuse. Les voilà. Merci, donne ça au prince. Merci beaucoup. Tu peux partir. Ok, j'irai alors. Je suis désolé. Quoi? Je suis désolé de ne t'avoir pas dit que je venais pour voir de nouveau le beau visage de ma princesse avant de retourner chez moi. Pourquoi tu as pris beaucoup de temps pour dire ça? Mon prince, tu devais bien m'informer. Les dieux ne me pardonneraient pas si quelque chose t'arrivait. Peut-être que tu ne sais pas à quel point je suis content. Ma princesse, le fait seulement de penser à toi me fait visiter à Moko chaque jour qui passe. Bien, je dois retourner à Modo maintenant que j'ai obtenu ce que je voulais. Je t'aime infiniment. Que les dieux t'accompagnent. De même que toi. Toi, vas-y d'abord. Toi d'abord. Non. Je suis ton prince, donc je veux te voir quitter ma présence. Je marcherai à reculons et te regarderai t'en aller. Salut mon prince. Mon ami brave, n'est-ce pas?
Oui, mon prince. C'est un talent reçu des dieux. Et c'est de mon devoir de faire de ce talent une source de joie pour tous ceux qui m'entourent. Entre-temps, ceci est pour vous. Est-ce qu'Azou était ici? Je me prosterne devant toi. Merci. Je t'ai apporté ça. C'est très joli. Tu les as fait toi-même? Oh, merci. De rien. Je vais m'en aller maintenant. Attends, jeune fille. Mon mariage est dans 3 jours de marché. Et je solliciterai ta présence. Oui, je sais. La nouvelle est répandue dans tout le royaume. Pas question de demander. Je serai là même avant toi, mon prince. Merci, belle fille. Adam. Mon prince. Mon amour. Mon cœur. Sais-tu que les gens de Amogo ne savent pas que tu as un sang royal qui coule dans toutes tes veines? Mais bientôt, ils le sauront. Parce qu'après le mariage traditionnel de ma sœur, je vais te révéler aux yeux de toutes les jeunes dames d'Amogo. Mon prince, tu ne sais pas le genre de respect que je reçois déjà auprès de mes amis. Juste parce que nous sommes proches. J'attends impatiemment ces jours que moi, Adougo, fera définitivement partie de la famille royale du royaume d'Anougo. Tu sais, après le mariage traditionnel de ma sœur, je te présenterai à mon père et à tout le peuple d'Amogo. Afin qu'il voie la femme qui est derrière le sourire qu'il voit sur mon visage tous les jours. Je me considère toujours comme la plus chanceuse. Merci mon prince pour m'avoir choisi. Et merci d'avoir dit oui. Maintenant dis-moi, où en es-tu avec la préparation de la danse? Tout est prêt, mon prince. Ça sonne bien. Je t'aime encore plus pour ça. Et je t'aime aussi.
Bonjour. Bonjour. Maman. Dis-moi, je suis comment? Ma princesse. Attends, je pense que... Tu dois ajouter ça. Non, maman, ça va comme ça. Regarde un peu ça. N'as-tu pas aimé? Merci, maman. Mais comme je viens de le dire, je me sens bien comme ça. Comme tu insistes. Franchement, ma fille, tu es très, très belle, très jolie, attractive, attentionnelle, ma fille, et oh, captivante. Maman, arrête! Merci beaucoup. Tu es vraiment adorable, ma fille. Merci beaucoup, maman. Je crois que tout le monde est déjà prêt. Bien sûr, nous sommes tous prêts. Je suis très, très contente pour toi. Merci. Viens dans les bras de ta mère. Je suis la mère la plus heureuse. Vraiment, maman. Il est trop gentil, notre prince. Oui. Mais nous également, nous devons nous rassurer de bien jouer notre rôle. D'accord. Assurons-nous que nous faisons bien les choses cette fois-ci. La victoire sera dans notre camp, ça c'est... Et c'est vrai. Longue vie à toi, mon prince. Longue vie, mon prince. Quel air ai-je, mes aînés? Vous avez l'air d'un prince. Vous ressemblez à un prince que vous êtes. Vous êtes très beau, mon prince. C'est ça. Très beau. Vous êtes complet. Merci. Vous êtes vraiment le fils de votre père. Bien sûr. Hein? Écoute, tu es beau. En fait. D'ailleurs, rien à dire. C'est ça. Igwe, Agoyou, je fais voir. En toi. Bien, c'est joli de votre part. Maintenant, sans perdre le temps, pouvons-nous? Bien sûr, tes souhaits sont nos ordres. Suivez-moi. Merci d'être venu. Aujourd'hui est un grand jour dans notre royaume. C'est pour cela que je vous ai tous réunis aujourd'hui. C'est un jour où ma fille, la princesse de ce grand royaume, sera prise par son mari. Avant l'arrivée de notre future belle famille, je veux que vous dansiez, que vous mangiez. Je veux que vous vous réjouissiez et que vous buvez comme bon vous semble. Alors, en attendant leur arrivée, que la musique commence. Mmh.
Mon prince, vous allez bien? Mon prince, est-ce que ça va? Ouais, je vais bien. Ok, c'est bon. Je vais bien. Allons-y. Tout va bien? Ouais, allons-y. Hein? Mon prince, vous avez dit que vous allez bien, êtes-vous sûr? Hein? Je pense que c'est un mal d'estomac soudain. Mot de ventre? Ouais. Dans ce cas, vous pouvez aller... Ok, allez-y. Je ferai ça. Je reviendrai vous rejoindre. Sois prudent. Merci. Dieu vous bénisse les jours ouvrables et même les jours non ouvrables. Qu'il vous bénisse à tout moment, même aux jours des malheurs. Qu'il vous bénisse avec des garçons comme des filles. Je pressens quelque chose de mauvais. Garde. Oui, tiens. Allez voir le prince. Très bien. Thank you.
L'avez-vous vu? Non, il sait. Hey! Ça devient sérieux. Hey! C'est sérieux. Je pense qu'on doit rentrer. Retourner au palais? Oui, exactement. Rentrons, nous allons revenir demain. Comment pourrait-il nous abandonner ici? Sans tenir compte de ce pourquoi nous avons quitté nos maisons? Et retourner au palais? Non, tu sais ce qui lui est arrivé. Non, ne prends pas les choses comme ça. S'il te plaît. Ichi, Dika. Reviens. Viens. Allons au palais. Hein? Nous devons rentrer. Allons-y. Ça ira. Il est venu même chez nous et il nous a fait sortir comme ça. Ok, tu vois, il fait déjà tard. Il fait déjà nuit, on ne peut rien accomplir aujourd'hui. Il doit nous dire pourquoi il a fait ça. Il nous a abandonnés. Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est vraiment une insulte. Il doit présenter ses excuses. Ce n'est pas possible. Peux-tu imaginer ça? Le garçon que je pensais qu'il marchait sur les traces de son père, voilà comment il nous traite en fait. Thank you.
je ne tolérerai plus une telle insulte de qui que ce soit. Ça, c'est la honte pour le ménage royal entier. J'en ai certainement assez de tout, et ce serait la dernière fois. Père, la tranquillité du tigre ne lui enlève pas sa force d'attaque. Si je suis calme, cela ne veut pas dire que je suis un lâche. Et je ne peux pas rester les bras croisés, regarder un homme comme moi jouer avec le cœur de ma sœur. Quelque chose doit être fait, père. Agoui, jette un œil sur ton passé et tu vas réaliser. Écoute-moi maintenant, là. Écoute-moi très bien. Il n'y a plus de passé ici, ok? Et il n'y a plus de problème de ce genre, ok? Tu dois bien le saisir. Non. Père, est-ce que tu vas bien? Père, es-tu sûr que tout va bien? Pourquoi vraiment ça? Pourquoi seulement Adézé? Pourquoi vraiment cette déception? C'était ça leur plan? Mais il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Ceci n'est plus normal. Il y a quelque chose d'obscur derrière ça. Quelle main noire! Oh, qu'est-ce que vous savez toutes les deux? N'est-ce pas évident qu'il a toute puissante princesse Adenze et Abanzo? Hein? Tu veux bien la fermer? Silence pendant que je dis la vérité. Quelle vérité? Qu'est-ce que tu veux nous raconter ici? N'importe quoi. Oh, donc vous ne me croyez pas, hein, Koya? Ok, pas de problème. Très bientôt, quand le temps viendra, vous m'appellerez tous Messia. Mon œil. Ngozi, s'il te plaît, on se casse d'ici. Je ne souhaite même pas faire route ensemble avec vous. Maman, qu'est-ce qu'il y a avec moi? À qui est-ce que je fais du mal? J'entends beaucoup de choses dans ce royaume. Y a-t-il quelque chose que vous me cachez, toi et papa? Y a-t-il un problème avec moi? Non, ma fille, il n'y a pas un problème avec toi. Crois-moi, il n'y a aucun problème. Arrête de me dire ça, maman. Arrête de me dire ça. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un problème avec moi. Si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que mon fiancé m'a fui? Dis-moi la vérité, maman. Vas-y, dis-moi la vérité. Je ne suis pas une Owanje. Dis-moi la vérité. Tout fie à quoi? Que le Dieu épargne. Arrête de dire ça, ma fille. S'il te plaît. Tu dois vraiment être forte et croire que Dieu existe. Ma fille, s'il te plaît, essuie tes larmes. Je t'en prie, arrête de pleurer. Thank you.
très clair que tu n'es pas mon ombre. Alors, ton destin, l'avenir que tu cherches, ton commencement et ta fin. Tu mords. Il n'y a que les dieux qui connaissent le commencement et la fin de tout le monde. Et je suis très convaincu que tu n'es même pas l'un d'entre eux. À ce niveau de ton avenir, tu n'as pas de choix que celui d'accepter ton destin tel que prévu par les dieux. Comment est-ce possible que je ne sois pas au courant de cette ordonnance des dieux? Même ta posture de roi ne peut te rendre service dans cette partie du monde. Ne pose pas de questions car tu connais déjà les réponses. Tes jours sont comptés et ta mort à la porte. Attends! Mon prince, je suis très désolée de l'incident qui s'est produit. Ça va. J'ai de la peine pour elle. Et je comprends bien ce qu'elle ressent. Mais n'est-ce pas qu'il est temps pour qu'on puisse consulter les anciens à ses propos? À mon avis, ceci n'est plus ordinaire. Ouais. On a plusieurs fois parlé de ça à notre père. Mais il continue de refuser en disant que c'est ordinaire. Mais je sais personnellement que absolument ceci est sorti de l'ordinaire. Alors utilise ta position en tant que prince et aide ta sœur. Jette un œil sur ton passé et tu vas réaliser. Écoute-moi maintenant, là. Écoute-moi très bien. Il n'y a plus de passé ici, ok? Et il n'y a plus de problème de ce genre, ok? Tu dois bien le saisir. Père, est-ce que tu vas bien? Hein?
Moro. 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 Se lève. Hé, Moro. Ça va? Immédiatement. Mon père. Oui, mon prince. Mon père. Que s'est-il passé, ma mère? Je ne sais pas, fils. Il avait juste commencé à crier. S'il te plaît, parle-moi. Parle-moi, père. Père, je suis ici. Oublierai ici, s'il te plaît, père. Parle-moi. Lorsqu'un ancien soulève sa main, la gifle appartient à l'enfant. Lorsqu'il est fatigué, bien sûr, nous connaissons l'histoire. Elle est en colère et son esprit est tout autour de ses palais. Elle veut se rassurer qu'aucun membre de ses familles royales ne soit libre. Et qui est-elle? Seul ton père a une réponse à cette question. Peu importe la rapidité avec laquelle quelqu'un peut courir, il ne réussira pas à se séparer de son ombre. Le péché ne se voit pas. Père. Père, tu as entendu ce que le grand prêtre vient de dire? De quoi parle-t-il? Je l'avais tué. Papa, tu es qui?
Mon amour. Mon amour. Quel est le problème? Tu as l'air inquiète. J'espère que tout va bien. Ok, je suis désolé. Je suis désolé de venir en retard. Ça va, je suis désolé. Je n'ai pas vu mes menstrues, ça fait déjà 2 mois. Alors tu dois t'en débarrasser. Ouais. Quoi? Tu dois t'en débarrasser. Je ne peux pas. Pourquoi? C'est une abomination dans mon clan. Toutes les filles qui le font meurent immédiatement. Tu veux que je meure? Et je ne peux pas le dire à mon père parce que je perdrai le trône. Ou bien veux-tu que je perde le trône? Ok. Alors dans ces cas, mon roi, marions-nous. Avant que cela ne devienne visible. Oui. Mariage. Je ne suis pas prêt pour me marier maintenant. Écoute, je veux me marier le jour du festival. Et le festival, ce n'est pas maintenant, c'est dans 10 mois. Mon prince. Que penses-tu de notre amour? Qu'est-ce qui arrivera après toutes les promesses que tu m'as faites? Pourquoi tu veux être égoïste? Je porte ton enfant au cachet, ne le vois-tu pas? Excuse-moi. Tu dis que je suis égoïste? Attends, tu me dis que je suis égoïste? Sais-tu à quel point j'ai aspiré à être le prince héritier de ce royaume? Et tu veux que je le perde? Laisse-moi te prévenir. Si tu ne te débarrasses pas, ne t'approche plus jamais de moi. Dit de ne pas me suivre. Quel est ton problème? Veux-tu ruiner ma vie? Pourquoi tu es aussi méchant? Pourquoi tu veux être si méchant et sans conscience? Pourquoi tu es égoïste? Tu ne sais même pas penser à la peine des autres. Ou c'est comme ça que tu vas gouverner le royaume? Agoé, je porte ton bébé. Et je t'ai dit de t'en débarrasser. Débarrasse-toi-en et laisse-moi tranquille. Quel est ton problème? Vraiment, je pense que je dois dire ça à ton père. Écoute. Ce n'est pas aller jusqu'à ce point. S'il te plaît, je veux le trône. Hein? S'il te plaît, essaie de me comprendre. Oh, comprendre quoi? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Je porte ton enfant et tu me dis de comprendre. Tu veux que je comprenne quoi? Okay, ça va. Ça va, je suis désolé de la façon dont j'ai parlé. Hein? T'inquiète, ça va aller. Je suis désolé. Hein? Ma chérie, mon amour, ma beauté, viens un peu. Je suis désolé. Ça ne m'arrange pas. Je le sais. Ça. Maintenant, allons nous reposer un peu dans la bananeraie. Hein? D'accord, ça va aller. Hein? T'inquiète. Je vais t'épouser. Je le sais, c'est toi que je veux épouser aussi. Non, c'est toi la seule femme dans ma vie.
J'espère que personne t'a vu. Pas du tout. Merci. Maintenant, passe par là. Celui qui est en train de jouer avec le feu ne va pas tarder à connaître son sort. Il y a toujours un temps pour que les dieux agissent. Et lorsque le temps vient, aucune espèce humaine ne peut l'empêcher. Le grand roi de notre royaume, qu'allons-nous donc faire? Il est trop tard! L'esprit de cette jeune fille innocente est en train de l'attendre dans le monde des morts. Non! Oui! Il doit partir pour que la famille royale soit libre. Il doit partir. Non, le grand prêtre, Tamogo. S'il te plaît, ne laisse pas mon père mourir. Quelque chose peut être fait. Malheureusement, rien ne sera fait. Rien ne non, peut mon être mari, fait. Non, le grand prêtre. Rien du tout ne peut être fait. Il doit partir maintenant. Le grand prêtre, s'il te plaît, mon père. Non, il ne peut pas mourir, non. Père, papa, tu ne peux pas. Ne meurs pas. Grand prêtre! Papa, non! Père. Papa!